manquait pas mal de choses. Je pense que notre solidité défensive qui venait notre force en début de saison a manqué. Après, c'est difficile quand en deux matchs on concède 7 buts. C'est vrai que c'est pas évident de trouver du positif dans tout ça. Mais après, voilà, c'est vrai qu'on est tombé sur deux adversaires très costauds qui avaient l'expérience du haut niveau de la Ligue 2 avec de très bons joueurs qui peuvent jouer au-dessus. Donc on peut quand même se dire que voilà, malgré ces deux défaites avec beaucoup de buts encaissés, il faut repartir de l'avant et il faut rester surtout très soudé, ne pas se tirer un peu dans les pattes, ne pas désunir le groupe parce que c'est ça qui fait notre force. Donc voilà, après ces deux défaites et ces 7 buts encaissés, il va falloir se remobiliser et trouver une solidité défensive contre Auxerre. C'est vrai que Auxerre, c'est encore un gros morceau, peut-être un meilleur morceau encore. Donc, les clés, bah, ça va être simplement d'être très solidaire, très costaud, très compact ensemble, bien resserrer le bloc, les lignes, pas leur laisser d'espace pour pas qu'ils puissent se trouver. Et puis, à nous d'être efficaces dans les deux surfaces. Déjà, si on prend pas de but, ce sera un bon point. Et voilà, on va essayer d'en marquer et d'être efficaces. Donc voilà, je pense que si tous ces éléments sont réunis, il y a moyen quand même de faire un résultat parce qu'on a des atouts à faire valoir et voilà, on va tout faire pour avoir un résultat. Ouais, c'est clair que terminer cette année sur une victoire, ce serait top. Surtout, ça nous permettrait d'avoir 23 points, ce qui comptablement nous permettrait d'être en avance sur nos temps de passage. Donc voilà, pour un peu bonifier ce début de saison, parce que voilà, c'est pas parce qu'on a perdu deux matchs qu'il y a tout à jeter. Au contraire, on a fait un bon début de saison. Jusqu'à présent, il y a des choses intéressantes qui ont été réalisées par l'ensemble du groupe. Donc à nous de continuer comme ça et j'espère que ça ira avec une victoire demain. Bah écoute, c'est vrai que titre individuel, j'ai trouvé que j'avais fait une bonne préparation, que j'avais plutôt bien commencé la saison. Donc il y a le groupe qui tourne, il y a une équipe qui est mise en place. Voilà, tout le monde a du temps de jeu, le coach a besoin de tout le monde. Donc c'est vrai que pas mal de joueurs qui ont été utilisés. Et à chaque fois que le coach fait appel à moi ou qu'il m'utilise, bah, j'essaye d'être performant. Et voilà, là c'est vrai que je joue un peu moins, mais ce qui compte, voilà, ça va être de bien récupérer après ce match d'Auxerre pour aborder la deuxième partie de saison avec de l'énergie et de la force. Je pense une bonne deuxième partie de saison, un maintien, j'espère rapide, du club. Et j'espère qu'on pourra passer de bons moments tous ensemble avec les supporters en tribune.